pas d'ici, il n'est pas de la ville. Il vit à l'extérieur. Il vous a vu entrer ici, il est venu. Bon, mes amis. This one is dead. Hey Claudette. Hey Claudette, viens, je vais t'expliquer quelque chose. This one? Concernant les biscuits. C'est pour pas des biscuits. Mais alors, t'as plus après la préparation. Oui, c'est ça. C'est cacao. Ok. Cacao. Ouais. Cacao. C'est bon. Alors, ok. Bon, ça va être très bien. Yeah, two boxes right there. Ok, that's good. Yeah. Okay. Oui. Alors, C'est pas grave. T'es allô? C'est tout petit. Bon, on va tirer une autre là. Tout dans la famille. Tiens, t'as un peu, tu veux que je prenne ça? Ah ouais. Oh, Seigneur. Oh, où est ça là? Les petits bois. Elles ne sont que trois religieuses. Oui, c'est mon père et puis la soeur qui est en convalescence. Elle ne travaille pas à la journée. Vraiment, c'est ça. Est-ce que les Haïtiennes viennent pour devenir religieuses? C'est pour notre communauté. Elles sont allées en mission avec leurs maîtresses. Elles sont allées prêcher des retraites dans le nord-ouest. Formation, quand elles sont en formation, elles travaillent avec leurs maîtresses pour leur départ. Hey, tu perds tes souliers. Pour tout le monde, dans le Canada, pour remercier pour nourriture, on va nous. À nous aller en côté de merci,
choses sur vous autres, parce que je parle de vous autres. Moi, parler avec Christophe de vous, de you, ouais. Puis, je vais lui envoyer des photos maintenant que j'ai des photos de vous. Ouais. Christophe, il est tannant. Comment tu dis? Mes parents ne sont pas capables. Mes parents sont pas capables. Ça vient faire moi, vient souffrir. Chaque mois, je suis obligé de chercher moi-même personnel pour me payer, professeur. Ça fait me souffrir la caille, moi. Et tout le monde qui est capable de servir de moi parce que je ne suis pas menti. Même vrai et tête, je ne suis pas arrivé à l'école, ça crase encore. Parce que, autrefois, en 92, il était crasé. Parce que. Vous êtes à gros gros, à égoïne. Vous êtes à gros gros. Ça va bon, nous presque répisés, mais nous s'y arrêtons quand même. Parce que faut connaître ça, même si il n'y a pas de s'y bras, il faut nous faire s'y aller. Après ça, il y a un peu de bon. Vous voyez quoi, nous, tout le monde? C'est ça. C'est crache ou une télécharge vraiment dur. Votre devoir en premier, c'est le sauvetage, comme de raison. Mais si nous avons des flammes alentour, il faut éteindre les flammes. La personne va aller proche de l'hélicoptère quand il est enflammé, quand il est alentour en feu. Avant que je vais aussi un peu plus loin, je vais vous dire que je suis un Québécois en avant. Donc si vous passez par en avant, vous pourrez faire couper la tête. Ça ne fait pas du bien du tout. Okay. Fait que la bonne procédure est de passer par en arrière. Vous faites votre approche toujours par en arrière. Pas de dos. Son haut. Okay. Le danger pour vous pour un instant est presque impossible. Okay. Et vous ouvrez la porte. Comme ça. Une des premières choses à faire quand on fait de l'approche, c'est peut-être arrêter ces hélices-là. Ces hélices-là sont très dangereuses. Vous êtes le chef. Ah. Oui. Si on met la batterie, je tire dessus. Là, on a des gonvons qui vont tirer. Ça arrête le matin. J'ai un chemin pour nous. Et nous allons aller ailleurs. On ne peut pas franchement couper. Oui, ok, si on dit que gagne. Ça arrive là, ça fait. Bon, voilà ce qu'il dit là. Et dès qu'il y a. On a des armes à trous, c'est peut-être un petit peu gros, mais ça peut couper quand même. C'est une bonne affaire. Nous avons comme de couper la ceinture ici, ou bien. Je vous explique la ceinture. Pour la ceinture. La ceinture. Okay. C'est plus mieux placé que moi. Normalement, quand on est attaché en avant.